n'est pas grave, il n'y a qu'à le relaver. Il sera propre en un clin d'œil et papa ne se rendra compte de rien du tout. Allons voir s'il y a d'autres vêtements à laver. Oh, il y a une petite tache sur ma robe. Maman Pig et Georges ont trouvé du linge à laver. Bravo, mon petit Georges. On met les vêtements là-dedans. Ensuite, on met la machine en marche et elle se remplit d'eau mélangée à du savon. Splash! 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 La machine à laver fait trembler toute la cuisine. Oh, Peppa, où est ta robe? Je l'ai mise dans la machine. Quoi? Oh non! Tu as vu, maman? Ma robe rouge est toute belle et toute propre. Peut-être, Peppa. Mais regarde ce qu'elle a fait au reste du linge. Ça alors? Tous les autres vêtements sont devenus roses à cause de sa robe rouge. Le rose n'est vraiment pas la couleur idéale pour un maillot de football. Oh! Papa Pig rentre du travail. Bonjour à tous. Bonjour, papa. Papa Pig, on a un petit problème et... Plus tard, maman Pig. Je dois me préparer pour le match. Alors, où est mon maillot? Le voilà. Qu'est-ce que tu racontes, Peppa? C'est une des robes de maman. Elle est rose. Non, papa. C'est bien ton maillot de football. Oui, il avait des taches de boue. Alors, nous l'avons lavé? Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Venez voir où vous allez dormir cette nuit. Voici la chambre qu'occupait Maman Pig quand elle était petite. Il y a très très longtemps. Et voilà le lit sur lequel Maman dormait. Oh, c'est comme un trampoline. Maman faisait la même chose quand elle avait votre âge. Maman sautait sur son lit, elle aussi? Oh, bien sûr. Ah bon? Pourtant, elle nous dit toujours de ne pas sauter sur notre lit. Quand elle était petite, c'était une vraie coquine comme vous. Ah bon? Ah oui. Maintenant, nous allons aller voir Papi Pig dans le jardin. Papi Pig! Bonjour Peppa, bonjour Georges. Venez voir mes carottes. Papi Pig est fier de montrer ses légumes. Oh. Et voilà mes petits pois. Ah. Mais mes petits, mes plus beaux légumes sont mes salades. Oh non, mes salades ont disparu. Je crois que ce sont les oiseaux qui les ont mangés, Papi Pig. Oui, les vilains. Mais dis-moi pourquoi Monsieur l'Épouvantail ne les a pas fait fuir. Je ne sais pas, Peppa, mais les oiseaux ont mangé toutes mes salades. Que se passe-t-il, Papi Pig? Tes amis se sont encore amusés à manger mes légumes. Quels amis? Tom et Dick et Harry. Ce ne sont pas leurs noms, voyons. Mamie Pig a des poules. Wow! Dites bonjour à Gemina, Sarah et Vanessa. Bonjour. Et lui s'appelle Neville. Est-ce que Neville est un garçon? Oui, Peppa, on appelle ça un coq. Et c'est le pire de tous. Il n'arrête pas de gratter la terre de mon potager. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Je l'ai déjà vu en manger. Ouais. Je sais sauter à la corde. Je sais chanter. Brille, brille, petite étoile. Je sais danser. C'est difficile de choisir un talent parce que je suis douée pour plein de choses. Ne t'inquiète pas, Peppa, tu pourras choisir demain. D'accord. C'est la journée des jeunes talents. Je suis douée pour chanter, danser et sauter à la corde. J'ai passé toute la soirée à m'entraîner. Moi, je me suis entraînée à regarder la télévision hier soir. Ce n'est pas un talent, ça. C'est Madame Gazelle qui l'a dit. Qu'est-ce que je peux faire, alors? Qui veut être le premier à nous montrer ce qu'il sait faire? Danny Dog? Je sais taper sur un tambour.
plus fort. Non, c'était formidable, Danny. Mais... Pedro Pony, que vas-tu nous présenter? Un tour de magie. Alors, ceci est un verre d'eau. C'est liquide et transparent. Ah! Attention, dans quelques instants, l'eau va disparaître. Oh! S'il vous plaît, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. L'eau a disparu. Merci. Émilie éléphant. Moi, je vais jouer de la flûte à bec. Et toi, Rebecca, quel talent as-tu? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres. J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds, comme ça. C'était vraiment bien. Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire? De la corde à sauter. Moi aussi, je voulais sauter à la corde. Oui! Mais enfin, papy, Georges est petit, lui aussi. Et pourtant, il doit attendre son tour. En effet, il est plus petit que vous. Alors, il ne devrait pas non plus faire la queue. Oui! Maintenant, il n'y a plus que Richard et Georges qui font du toboggan. Papy, quand est-ce que ça va être notre tour? Un peu de patience, Peppa. Ils vont bientôt vous laisser la place, voyons. Oh, moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi. Allons faire de la balançoire. C'est Pedro Pony qui est sur la balançoire. Mais... Pedro, je peux faire un tour maintenant? Je voudrais bien me balancer encore un peu. Mais enfin, ça fait des heures que tu te balances. Papy Pig, est-ce que vous pouvez me pousser, s'il vous plaît? Je crois que tu devrais laisser la place à l'un de tes amis à présent. Mais je vais bientôt devoir rentrer chez moi. Oh, je comprends. Cela change tout. Je vais te pousser, alors. Mais enfin, papy. Moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi. Et moi aussi. Allons faire du tourniquet. Tout le monde veut faire du tourniquet. Il y a trop d'enfants sur ce tourniquet. Allez, allez, descendez. Oh, mais papy Pig, c'était moi qui étais dessus au départ. Ah, dans ce cas, Émilie, tu peux remonter sur le tourniquet. Moi aussi, je dois monter dessus. Et pour quelle raison, Rebecca? Eh bien, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire. Ah, bon, bon, d'accord. Moi aussi, moi aussi. Entendu. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Non, il faut bien qu'il y ait un garçon sur le tourniquet. Et maintenant, est-ce que tout le monde est prêt? Il est 10 heures. Youpi! Combien de tickets? Un ticket adulte et 2 tickets enfants. Et un pour le poisson, s'il vous plaît. Pour lui, c'est gratuit. Tenez-vous bien. Monsieur Boule attend le bus. Mouh! Un ticket pour le magasin de musique, je vous prie. Bonjour, Monsieur Boule. J'emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh là là! Alors, mon petit, tu ne te sens pas bien? Il ne peut pas parler, c'est un poisson. Bien sûr! Peut-être qu'il aimerait que je lui joue quelque chose au tuba. Il fait un drôle de son. C'est pour cela que je vais au magasin de musique afin de le faire accorder. Oh! Madame Sheep, Madame Cat, Monsieur Zebra et Madame Gazelle montent dans le bus. Bonjour, 4 tickets pour le supermarché, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Gazelle. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh, pourquoi? Il est malade? Il vous aime beaucoup. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent du matin au soir.
Supermarché. Au revoir. Magasin de musique. Au revoir. Terminus, le vétérinaire. Le vétérinaire soigne les animaux malades. Oh, c'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit. Oui, vous allez voir. Papa, je peux t'aider? Si tu veux, Peppa, jette toutes ces épluchures à la poubelle. D'accord. Non, Peppa. Les épluchures ne se mettent pas dans la poubelle en fer, mais dans le carton marron. Oh, Nanane. Oui, Georges. C'est bien une peau de banane. Il y a là-dedans des pelures d'oignons, ainsi que les restes de toutes sortes de fruits et légumes. Papy et Mamie Pig vont être contents. Ah bon, vraiment? Parce que Papy et Mamie mangent les épluchures de pommes de terre maintenant? Non, Peppa. C'est pour leur jardin potager. Ça aide à faire pousser les légumes. Oh. Après le repas, nous irons leur porter ce carton. Oui, bonne idée. Maman Pig, Peppa et George apportent les épluchures de fruits et légumes à Papy et Mamie Pig. Nous sommes arrivés. Youpi. Papy Pig, regarde le beau cadeau que l'on t'apporte. Ah, des épluchures de fruits et de légumes. C'est fantastique! Mon jardin va adorer! Parce que ton jardin mange des légumes? Non, Peppa! Je vais mettre toutes ces épluchures sur mon tas de compost. C'est quoi du compost? Je vais vous montrer! Voilà! C'est une espèce de caisse en bois? Oui, Peppa! Mais une caisse en bois très intelligente! Je place ces épluchures juste au-dessus et en dessous, j'obtiens un engrais très efficace appelé compost. Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? Est-ce que c'est une caisse magique? Non, Peppa. J'ai quelques petits amis dans mon jardin qui lui viennent en aide. Où ça? Là-dedans, regarde. Ah, des vers de terre. Bébé, bébé. Il tranche. Dinosaures. Au revoir, Richard. Je reviendrai te rechercher plus tard. Georges et Richard sont les meilleurs amis du monde. Georges se sert du panier à jouets pour faire un volcan. Tandis que Richard utilise les sapins en plastique pour faire une jungle. Georges prend les petits cubes pour former une rivière. La chambre s'est transformée en terrain de jeu pour dinosaures. Je préfère m'en aller. Il y a trop de bruit ici. Moi, je dis patate. Et moi, je dis potate. Patate. L'avantage quand il pleut, c'est que cela donne l'occasion de regarder des émissions très intéressantes. Maman, Georges et Richard ont transformé la chambre en terrain de jeu pour dinosaures. Et les terrains de jeu pour dinosaures, c'est bruyant. Georges est avec son meilleur ami, mais moi, je n'ai personne avec qui jouer. Eh bien, tu n'as qu'à inviter Suzy Sheep. Suzy Sheep est la meilleure amie de Peppa. Vous croyez qu'elle pourrait venir à la maison tout de suite? Téléphone-lui. Mais... Allô, Suzy Sheep? Qui est-ce qui m'appelle? Suzy, c'est moi, Peppa. Est-ce que tu peux venir à la maison tout de suite? Oui, Peppa, je peux venir jouer, mais avec mon costume d'infirmière, d'accord? D'accord, mais dépêche-toi. Comme il est mignon. Oust, oust, petit oiseau. On voudrait regarder la télé en paix. Allons, Papa Pig. Quel est l'intérêt d'être en vacances si c'est pour passer son temps devant la télévision? Tu la regarderas à la maison. Je n'y avais pas pensé. Il y a des tas d'endroits amusants à visiter. Comme le monde forestier.
C'est quoi le monde forestier? Le monde forestier est une magnifique forêt peuplée de sapins. Ça a l'air un peu ennuyeux. On pourrait aller à Patateville. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Patateville? Une visite guidée d'un champ de pommes de terre qui se termine par une dégustation de purée. Ça m'a l'air plus intéressant. Ou le coin des coin-coins. C'est quoi le coin des coin-coins? C'est une rivière avec plein de petits canards. Oh oui! Allons au coin des coin-coins! Peppa et Georges adorent les canards. Est-ce que tu connais le chemin pour y aller? Le GPS va nous guider. Bonjour, où allons-nous aujourd'hui? Au coin des coin-coins, s'il vous plaît. Allez tout droit jusqu'au prochain croisement. En camping-car, on va voir les canards. Bienvenue au coin des coin-coins. Combien de tickets voulez-vous? 2 adultes et 2 enfants. Bonne promenade. Oh, où sont les canards? Ils ont dû partir en vacances. Et si nous pique-niquions maintenant? Je suis sûre qu'ils seront attirés par la nourriture. Dis plutôt que tu as faim, Papa Pig. Peppa et Georges adorent les pique-niques. Regardez, les voilà! Non, pas le pain! On va le donner à manger aux canards. Oh, oh, si tu veux. Bonjour, Madame Duck. En voilà d'autres. Ce sont tous les frères et sœurs qui arrivent. Mamie Pig! Bonsoir, mes petits chéris. Vous devriez dormir. S'il te plaît, raconte-nous une histoire. D'accord, mais seulement si vous me promettez de vous rendormir aussitôt. C'est promis. Mais d'abord, tu nous racontes une histoire. Entendu. Il était une fois un petit... Un petit garçon appelé Pedro Pony qui trouva un haricot magique. Oh oui! Alors Pedro planta le haricot et une tige se mit aussitôt à pousser jusqu'au ciel. Exactement! Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tomba un sur... Un horrible géant très méchant. Mais lui ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est la princesse. Oh oui! Ensuite, il rencontra la magnifique princesse Peppa et Messire Georges, le courageux chevalier. Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier. Maman Pig, Papa Pig et Papy Pig attendent de pouvoir dîner. Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, Mamie Pig, tu as réveillé les petits. Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, papy. Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig. Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps. C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter. Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit. Fin de l'histoire. Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien. Le magicien? Oui, le magicien qui donna un grand spectacle de magie. Ah, mais... Ensuite, apparut le vilain et terrifiant dragon. Maman Pig, nous avons un invité qui va rester dormir ici ce soir. Ah bon? De qui s'agit-il? De Teddy Maternello. Il a un pyjama, un album photo et aussi une brosse à dents. À quoi sert l'album photo? Eh bien, on va le photographier en train de faire toutes sortes de choses rigolotes. Oh! Mes amis ont fait des photos de Teddy Maternello partout dans le monde. À Londres, à Paris, en Égypte. En effet, Teddy Maternello mène vraiment une vie passionnante. J'espère qu'il va passer un bon moment avec nous. C'est l'heure d'aller dormir pour Peppa et Georges. Coucou les amis, voici Teddy Maternello. Bonjour. Il va dormir avec nous. Alors vous devez lui faire de la place. Oh, et voici Monsieur Dinosaure. Mais il ne sait pas encore très bien parler. Nous allons faire une photo pour compléter son album. Dis oui. Oui. Papa, demain il faut
pourra se débrouiller pour que Teddy Maternello passe un bon moment. Et si on l'emmenait au pôle Nord? Pourquoi pas au supermarché? Oui! Je crois bien que c'est la première fois de sa vie qu'il ira faire des courses. Le lendemain matin, Peppa emmène Teddy Maternello au supermarché. On trouve de tout dans ce magasin. Des oranges, des pommes, des bananes. C'est vraiment très intéressant, Peppa. Voici la caisse où il faut payer tous ses achats. Georges veut prendre une photo. D'accord, Georges. Oui, oui. Est-ce que c'est dangereux comme jeu? Non, Pedro. Ne t'inquiète pas, Papy Dog m'a fait la promesse que vous ne risquiez absolument rien. Oh. Mais vous n'allez pas vous ennuyer. Alors, qui veut y jouer? Voilà le programme. Naguère, j'avais un coffre rempli de magnifiques pièces d'or, mais il a été raflé par le capitaine Croquette. Quoi? Le langage des pirates est un peu difficile à comprendre. Le capitaine Croquette m'a volé mon trésor. Oh! Méfiez-vous, le capitaine Croquette est un redoutable pirate. Certains d'entre vous le connaissent sous le nom de... Papy Pig. Papy Pig! Le jeu consiste à aller jusqu'au repère du capitaine Croquette pour récupérer mon trésor sans se faire attraper. Youpi! Tout le monde a très envie de jouer aux pirates. Allô, Papy Pig? Nous arrivons! Formidable! Formidable! Papy Pig et Polly Parrotte surveillent le trésor de Barbe Blanche. Tous à bord du galion noir, Moussaillon, en espérant que nous aurons le vent en poupe. Oh, et qu'est-ce que ça veut dire? Allons vite au bateau! Yo! Yo! Yeah! Ohé, Moussaillon, mettez un gilet de sauvetage! À bord du bateau de Papy Dog, tous les enfants doivent porter un gilet de sauvetage. Le terrible Barbe Blanche ne devrait plus tarder maintenant. Je t'ai apporté une tasse de thé, Papy Pig. Oh, merci beaucoup, Mamie Pig. Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt maintenant? Monsieur Barbe Blanche, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Et moi? Oh, et moi? Oh, et moi? Et moi? Moi aussi! Monsieur Patate arrive pour l'inauguration. Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami. J'ai nommé Monsieur Patate. Bravo! Bravo! J'ai l'honneur de déclarer ce club de gym ouvert. C'est fantastique. Nous devons tous faire du sport ainsi que manger des fruits et des légumes. Quel genre de fruits et légumes, Monsieur Patate? Des pommes, des oranges, des carottes et des tomates. Et des patates aussi? Pourquoi vous n'êtes pas petit comme une pomme de terre ordinaire, Monsieur Patate? Parce qu'il n'est pas une pomme de terre ordinaire, il a des jambes, lui. Oui, et les pommes de terre ordinaires n'ont pas de jambes. C'est une super pomme de terre. Au regard de votre mission tous les matins. Cela me touche beaucoup. N'oubliez pas de m'envoyer des dessins, les enfants. Oui. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire de beaux dessins pour Monsieur Patate. Youpi! Moi, je lui dessine un ananas. Et moi, je lui fais une carotte. C'est très bien. Et toi, Émilie, que dessines-tu? Un petit pois. Magnifique! Et toi, Pedro? Je lui dessine Super Patate. Oh, je vois. Quant à Georges, il lui a fait une superbe tomate. Et toi, Peppa, quel genre de légumes as-tu dessiné? Mon papa en train de regarder la télévision. Comme c'est drôle. À présent, il n'y a plus qu'à glisser les dessins dans l'enveloppe et l'envoyer à Monsieur Patate. Il est l'heure, comme chaque matin, de regarder l'émission de Monsieur Patate. Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami. J'ai nommé Monsieur Patate. Tchou, 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 cliquetine, cliquetine, clac.
Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité. Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité. Un bateau. Un poste d'aiguillage. Et aussi un tunnel. Je vois des arbres. Est-ce que les arbres sont sur la liste? Non. Oh, moi, je vois des nuages. Est-ce qu'ils sont sur la liste? Non. Je vois Papy Doc sur son bateau. Coucou, les enfants. Coucou, Papy Doc. Oh, et est-ce que Papy Doc est sur la liste? Mais enfin, Peppa, mon papy ne peut pas être sur la liste, voyons. Non, mais il conduit un bateau. Et le bateau fait partie de la liste. Youpi! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité. Sortez votre billet. Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets. Je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur. Encore? Mais tu le fais exprès. Miaou. Mais voyons, il est là ton billet, Pedro. Regarde, tu étais assis dessus. Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord? Le train grimpe lentement sur la colline. Le train redescend rapidement la colline. Madame Gazelle, je me sens un peu malade. Je peux aller devant, s'il vous plaît? D'accord, Pedro. Va prendre l'air dans la locomotive. Nay. Coucou, Pedro. Tu ne te sens pas bien? Aimerais-tu conduire le train à ma place? Oui, s'il vous plaît. Le premier client est Daddy Dog. Bonjour, Madame la Marchande. Bonjour, Monsieur Dog. Je voudrais un paquet de gâteaux, s'il vous plaît. Suzy, dis-moi, est-ce qu'il nous reste des gâteaux? Non, mais on a un téléphone en plastique. Et combien je vous dois, Madame? Cela fera 100 euros, s'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup. Au suivant. Hey. Bonjour, Madame la Marchande. Auriez-vous une baguette de pain, s'il vous plaît? Non, mais nous avons une maison en carton. Je vais vous la mettre dans un sac, voilà. Ah, merci. Ça vous fera 1 euro, s'il vous plaît. Oh là là, mais je n'ai pas assez d'argent sur moi. Ce n'est pas grave, vous me payerez la prochaine fois. Oh là là, c'est dur comme travail, hein? Oui. Bonjour, Madame la Marchande. Qu'est-ce qu'on peut bien acheter pour 1 million d'euros, s'il vous plaît? Suzy, dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner pour 1 million d'euros? Une carotte? Oui, merci. Rebecca Rabbit aime les carottes. C'est l'heure de rentrer à la maison. Papa Pig est venu chercher Peppa et Suzy. Papa, est-ce que tu as bien travaillé aujourd'hui? Oui, j'ai eu une journée très chargée. Nous aussi. On a beaucoup travaillé aujourd'hui. Oui, on a joué aux marchandes. Bla 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 bla, validé et imprimé. D'accord, Georges. Maintenant, nous pouvons faire une partie de Bouboule la poule. Après tout, nous l'avons bien mérité. Et voilà Danny Dog dans le camion de dépannage de son grand-père. Orange, c'est moi qui ai gagné. Bonjour, Danny. Bonjour, Peppa. Voilà une autre voiture. C'est Suzy. Bonjour. Bonjour, Peppa. Bleu. Oui, Georges, c'est une voiture bleue. Alors, tu as gagné. Oh, qu'est-ce qu'il est bête, ce jeu. On n'a pas encore vu une seule voiture rouge. Si, si, il y en a bien une, Peppa. Où ça? Oh, 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 oh. De quelle couleur est notre voiture? Elle est rouge. J'ai gagné, j'ai gagné. Peppa et sa famille sont arrivés à la montagne. Nous aurons une vue magnifique quand nous aurons atteint le sommet. Nous y sommes. Youpi, Youpi! Admirez cette superbe vue ensoleillée. Ah! Oh là là, il se met à pleuvoir. Elle est où, la superbe vue? Celle-ci n'est pas mal du tout. Il s'agit du triporteur à glace de Mademoiselle Rabbit. Bonjour, Mademoiselle Rabbit.
Bonjour, Papa Pig. Je voudrais 4 glaces. Quel parfum désirez-vous? Menthe, orange, fraise et myrtille, s'il vous plaît, mademoiselle. D'accord. Regardez ce que je vous rapporte. Chouette, une glace. Oh, ah, mais ce sont nos couleurs préférées. Oui, en effet. Vert pour moi. Orange pour moi. Rouge fraise pour moi. Et celle de Georges est... Miam, miam, miam. Regardez, le soleil réapparaît. Oh, et en plus, nous avons... Un arc-en-ciel. Peppa et Georges adorent les arcs-en-ciel. Pour qu'ils apparaissent, il faut absolument que la pluie tombe et que le soleil brille en même temps. Oh. Et quand as-tu commencé à tousser? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter. Ce n'est pas bien grave. Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux. Ça veut dire quoi, contagieux? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi. Est-ce que je dois prendre un médicament? Juste une cuillerée de sirop. Malheureusement, ce n'est pas très très bon. Berk! Ça a un goût de vieille chaussure pleine de confiture. Merci beaucoup, Dr. Brownbear. Au revoir. Au revoir. Je vous l'avais dit, la toux de Pedro est contagieuse. Danny Dog et Suzy Sheep ont attrapé la toux de Pedro. Ouvrez grand la bouche. Berk, ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt. Berk, moi je trouve que ça a un goût de fleurs. C'est bien, les enfants, vous avez été très courageux. Est-ce que vous avez déjà été malade, Dr. Brownbear? Non, Peppa, pas une seule fois. Mais je mange une pomme tous les jours. Au revoir! Au revoir! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants. Maman, papa, j'ai attrapé une toux. Le Dr. Brownbear est venu pour nous soigner. Il nous a donné un médicament dégoûtant. Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson? Bien sûr, Peppa. Oh, Mamselle Poupy a une poupée qui... Oh non, c'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro. Docteur Brownbear, j'écoute. Allô, c'est Peppa Pig. Tous nos parents sont malades, docteur. Ne t'inquiète surtout pas, j'arrive immédiatement. Mais Papa Pig a complètement oublié de rendre celui-là. Cela fait un certain temps que je l'ai emprunté. Ce n'est pas grave, tu iras le rapporter demain. Pour l'instant, il est l'heure de dormir. Après que papa nous ait lu cette histoire. Il ne s'agit pas vraiment d'un livre d'histoire. Lis-le-nous quand même, s'il te plaît. Bon, d'accord. Le monde merveilleux du béton. Le béton est un matériau de construction composé d'eau, de sable, ainsi que d'un mélange chimique. Chapitre 1. Le sable. Peppa, Georges et Maman Pig se sont endormis. C'est le matin. Peppa et sa famille arrivent à la bibliothèque. Waouh! Il y a des tonnes de livres ici. Chut, Peppa. Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse. Pourquoi? Parce que les gens viennent d'ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme. Au suivant, s'il vous plaît. Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire. Bonjour, Madame Pig. Ce sont les livres que vous rapportez? Oui, Mademoiselle Rabbit. Merci beaucoup. Pourquoi l'ordinateur fait du bruit? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps. J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Cela ne doit pas être méchant. Ça alors, Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans. Mais enfin, papa. Excusez-moi. Cela ira pour cette fois. Vous pouvez aller en choisir d'autres. Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un? Mais bien sûr. Le rayon enfant se trouve ici. Il y en a de toutes sortes, sur les fées, les fleurs,
Peppa. Oh, bonjour, Danny. Est-ce que vous êtes tous prêts à partir en vacances? Oui, Maman Pig. Alors, en route! On est prêts pour le grand départ dans le camping-car. cette carte n'est pas vraiment claire. Papa, j'espère qu'on ne va pas se perdre. Ne t'inquiète pas, je sais lire une carte comme personne. Tiens, tiens, c'est bizarre. Sommes-nous perdus? Oui. C'est Papy Dog avec Danny. Bonjour, papa. Bonjour, Danny. On s'est perdu. Perdu? Votre GPS est en panne? Mon GPS? Le modèle de votre camping-car est un T3250. Il est équipé d'un GPS. Bienvenue à bord du véhicule du futur. Ah! Maintenant, je sais à quoi sert ce bouton. Où allons-nous aujourd'hui? En plus, c'est un camping-car qui parle. Il n'est pas bête, n'est-ce pas? La voix de synthèse va vous aider à trouver votre chemin. Mais comment il peut savoir à quel endroit nous allons? Il suffit de le lui dire. Bonjour, monsieur camping-car. Bonjour. On part en vacances, alors vous pourriez nous montrer le chemin? Allez tout droit jusqu'au prochain croisement. Merci de votre aide, Papy Dog. Il n'y a pas de quoi. Passez de bonnes vacances. On est prêts pour le grand départ dans le camping-car. Attention, attention. Niveau d'huile faible. C'est quoi l'huile? L'huile, c'est ce qui permet au moteur de ronronner. Alors ça veut dire qu'il n'en reste plus? Non. On peut encore rouler avant de tomber en panne. Niveau d'huile insuffisant. Oh non, ce n'est pas vrai! Oh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Allons, ne pleure pas, Georges. Papa va te rejoindre. Alors, 1 euro, s'il vous plaît. Oh. Oui. Apparemment, Georges n'a plus peur. Oh, c'est quand même un peu haut, n'est-ce pas? Je vais redescendre par les escaliers. Les escaliers sont remplis d'enfants. C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig. Oh, d'accord. Approchez, approchez. Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant. Tu peux y arriver facilement, maman. Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa? Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner. Les femmes ne savent pas viser. Pardon, vous pouvez répéter? Il s'agit d'un jeu d'adresse. Ah oui, et c'est combien pour un tir? 1 euro. Maman Pig a gagné. Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Youpi! Maman, maman, je voudrais un nounours comme celui-là. Il est bien trop gros. Mais non, pas du tout. Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue. Accrochez-vous bien. Oh, on monte vraiment très très haut. Oh. Ouf, je suis content que cela se termine. Pour 1 euro, vous avez droit à 5 tours. Comment? 5 tours? Oh non! Approchez, approchez! Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche! Dites-moi, que faut-il faire? Il faut taper sur ce bouton avec le marteau! Si la cloche sonne, vous avez gagné! Allô! Ce n'est pas compliqué! Il faut juste avoir de la force! Je veux bien essayer! 1 euro! Oui, et nous sommes là pour régler le problème. Vous allez en avoir pour longtemps? Aussi longtemps que cela sera nécessaire. Georges aime les pelleteuses. Par ici, monsieur Rhino. À vos ordres, chef. Monsieur Boule est le chef. Dites-moi, monsieur Boule, d'où est-ce qu'elle vient toute cette eau? Elle vient d'un tuyau troué qui se trouve sous terre. Comment
allez-vous le réparer? En creusant un trou dans la route. Wow! On coupe l'arrivée d'eau. Georges adore les grues. On enlève le vieux tuyau troué. Et on le remplace par un tuyau neuf. Merci de nous avoir montré votre travail. Mouh! Mais je vous en prie. Au revoir et à bientôt. Oh, Georges ne veut pas quitter Monsieur Boule. Arrête de pleurer. On va au terrain de jeu. Mais oui, Georges, tu pourras jouer avec ta pelleteuse dans le bac à sable. Et tu pourras revoir Monsieur Boule sur le chemin du retour. Toute la famille de Peppa arrive au terrain de jeu. Bonjour, les amis. Bonjour, Peppa. Edmond Éléphant et Richard Rabbit jouent dans le bac à sable. Broum. 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 On va jouer dans le bac à sable, d'accord? D'accord. Stop. Qu'est-ce qui se passe, Peppa? On creuse un trou dans la route. Et c'est moi, le chef. Oh. Broum. On va les compter pour voir, d'accord, Pedro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu n'en as fait que 8. Je suis un peu fatiguée. Je ferai le reste un peu plus tard. Et toi, est-ce que tu sais faire du hula hoop, Émilie? Eh bien, je sais en faire, mais à ma manière. Émilie Éléphant fait du hula hoop avec sa trompe. Bravo! Tu as fait beaucoup de tours. Au moins 100, je crois. Georges a envie de jouer à saute-mouton. Georges aime jouer à saute-mouton. Tout le monde en position. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9. 10. La récréation est terminée. Madame Gazelle, on sait tous compter jusqu'à 10 maintenant. C'est formidable. Mais il n'y a qu'en jouant qu'on y arrive. Pas de problème. Richard, Edmond, allez chercher la très longue corde à sauter. Bonjour. Je suis venu chercher ma petite Peppa et mon petit Georges. Papa, tu arrives trop tôt. Oh. Ce n'est pas grave. Vous n'avez qu'à vous joindre à nous. Oh, d'accord. Vous êtes prêts, les enfants? Oui, madame. Comptez jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous semblez essoufflé, Papa Pig. Oh, moi, pas du tout. Je pourrais sauter jusqu'à 100. C'est une excellente idée. Comptez jusqu'à 100. Jusqu'à 20 pour commencer. D'accord. Comptez jusqu'à 20. Toute la famille arrive au musée. Bonjour à tous. Vous êtes venus visiter l'exposition sur la Lune? Oui, Mademoiselle Rabbit. Nous voudrions 5 billets, s'il vous plaît. Les voici. Je vous souhaite un bon voyage sur la Lune. Oh, on va aller sur la Lune pour de vrai? Non, Peppa. C'était juste pour rire. Les passagers à destination de la Lune sont invités à me suivre. Monsieur Rabbit est le guide. Oh. Préparez-vous pour le décollage. C'est juste pour rire, pas vrai? Bien sûr, Peppa, c'est juste pour rire. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Nous vivons sur une planète. Savez-vous comment elle s'appelle? La Terre. Exactement. Ho, ho, ho. Tout ce qui concerne l'espace n'a pas de secret pour moi. Il existe cette autre planète qui tourne autour du Soleil. Savez-vous comment on les appelle? Mercure. Oh, bravo, Edmond. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. L'espace n'a pas de secret pour Edmond. Je ne me trompe jamais. Ah!
Qui peut me dire de quoi sont faites ces planètes? Elles sont faites en carton. Ces maquettes sont faites en carton. Mais les vraies planètes sont composées de roches, de glace ou de gaz. Mais bien sûr, la Lune est faite en fromage. Non, la Lune est composée de roches. C'est une exposition sérieuse. Alors pas de rire ni de plaisanterie. Et voilà, nous sommes sur la Lune. Mais ce n'est pas la vraie Lune, Monsieur Rabbit, n'est-ce pas? Non. Si nous étions réellement sur la Lune, vous pourriez sauter par-dessus ma tête. Oh! Savez-vous pourquoi on peut sauter aussi haut sur la Lune? À cause de la gravité. Oh, c'est exact, Edmond. La gravité nous permet de nous maintenir au sol. Comme elle est plus faible sur la Lune, on peut sauter plus haut. Oh! Le jour de la course rigolote est arrivé. Madame Gazelle a un tableau pour montrer la distance que doit parcourir Papa Pig. Si Papa Pig est capable de partir d'ici, le supermarché, de passer par là, le garage de mon papy, et enfin d'arriver jusque-là, le château de Vent. Alors nous aurons récolté assez d'argent pour faire réparer le toit de l'école. C'est comme si c'était fait. À vos marques, prêts, partez. Et voilà. Maintenant, on peut pique-niquer. Mais enfin, papa, voyons, ça c'est juste un tableau. Oui, à présent, vous devez atteindre le vrai château du vent. Oh. À vos marques, prêts, partez. Allez. Courage, Papa Pig, tu vas y arriver. Tu vas y arriver! Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent. Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant. De l'eau! De l'eau! Comme c'est agréable, cette chaleur! Ah, comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon! De l'eau! De l'eau! Papa Pig atteint le supermarché. Tous ses efforts lui ont donné soif! Dis-moi ce que tu vois au télescope. J'arrive à voir papa. Le télescope permet de voir de très loin. Oh, il ne court pas très vite. Il arrive maintenant au garage de Papy Dog. Oh, j'arrête, je suis à bout de force. Papa ne court plus du tout. Oh. Vous êtes tout en sueur. Il vous faut quelque chose pour vous rafraîchir et vous donner du tonus. Tenez, mangez cette glace. Merci beaucoup, Papy Dog. Allez, en avant toutes! Au revoir! C'est moi le capitaine de ce bateau, les enfants. Et quand le capitaine vous demande de faire quelque chose, vous devez lui obéir. À vos ordres, capitaine! À vos ordres, capitaine! Polly Parrot répète tout ce qui se dit. Georges, hisse le pavillon! Georges, hisse le pavillon! Peppa, sonne la cloche. Peppa, sonne la cloche. Papy, je peux faire le capitaine, s'il te plaît? Bon, d'accord. Mais dans ce cas, tu dois porter cette casquette. Maintenant, c'est elle qui commande. Alors, tout le monde doit lui obéir. Sonne la cloche. Tourne le volant. À vos ordres, capitaine Peppa. Sautez sur place. Le capitaine Peppa est un peu autoritaire. Il vaut mieux que je reprenne les commandes parce qu'une collision est si vite arrivée. Ce n'est pas toujours facile de gouverner un bateau. Heureusement, c'est une chose que je maîtrise. Oh non! Le gros navire de Papy Pig a heurté une petite île. Papy, on est bloqué! Je vais appeler Mamie Pig. Elle va pouvoir nous aider. Oh non! Zut! Papy Pig a fait tomber son téléphone dans l'eau. Mamie Pig à l'appareil. Allô? 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 Maintenant, nous allons devoir contacter Mamie par un autre moyen. Hein? Contacter Mamie?
Polly peut peut-être voler jusqu'à elle. Voilà une excellente idée, Peppa. Et je vais lui dire ce qu'il faut répéter à mamie. Papi Pig a dit... Papi Pig a dit... Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Ça, par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse malle? Oui, elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours facile de trouver en France, comme le thé, le bacon, le pudding, les cookies. Goodbye, Delphine. Je reviendrai te chercher demain soir. Oh, où dois-je poser le bagage de Delphine? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison. Oh. Oh. Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée. Oh oui! C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage. Oh. Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français. Alors nous devons tous l'aider. Oui, d'accord, maman. D'abord, je dois m'excuser parce que je ne parle pas très bien le français. Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite. C'est gentil de votre part, Mr. Pig. Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français? Bien sûr. Je suis un expert en orthographe. Que veux-tu savoir? Quels sont les mots en « ou » qui font leur pluriel en « x »? Je sais qu'il y en a 7. Il commence à se faire tard. Et si nous préparions le lit de Delphine? Maman, est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien? Elle dans un sens et moi dans l'autre. Bonne idée, Peppa. Delphine dormira dans un sens et Peppa dans l'autre. Allez les enfants, essayez de dormir. Demain, la journée sera chargée. Delphine va venir dans ton école. Wow! Have a good sleep. Have a good sleep. En français, dormez bien. Je n'ai pas du tout sommeil. Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français. D'accord. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Ah, et si nous prenions une tasse de thé tout en bavardant? Mais bien volontiers. Oh, un téléphone! N'y touche pas! Il est réservé aux urgences. On ne doit s'en servir qu'en cas d'incendie. Ah, au feu! Au feu! Caserne des pompiers? Où est l'incendie? Où est l'incendie? Puis-je parler à maman Pig, je vous prie? Oh, c'est Papa Pig. Oh, Papa Pig? On ne doit pas utiliser cette ligne. Elle est réservée aux appels d'urgence. C'est bien pour cela que je t'appelle. Figure-toi que je n'arrive pas à retrouver la sauce tomate. Papa Pig, dois-je allumer le barbecue maintenant? Oui, s'il vous plaît, Monsieur Rabbit. Surtout, ne faites pas d'imprudence, d'accord? Tu peux compter sur nous. Les papas s'y connaissent parfaitement en barbecue. Au revoir. Il faudrait peut-être ajouter du charbon. À mon avis, il vaudrait mieux souffler dessus. À moins qu'il n'y ait pas suffisamment d'allume-feu. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un incendie. Et on va devoir attendre combien de temps? Il peut se passer un certain temps. Ça fait des années que je patiente ainsi. Combien d'incendies avez-vous éteints, Mademoiselle Rabbit? Aucun. Je n'en ai pas eu un seul. Mais il faut se tenir prêt. Qui cela peut-il être? C'est sûrement ton papa qui rappelle. Peux-tu lui répondre, s'il te plaît? D'accord. Allô? Caserne des pompiers? Allô, Peppa? Papa, c'est encore toi? Écoute, cette fois, tu exagères. Ce téléphone sert seulement quand il y a un feu. Passe-moi Mademoiselle Rabbit. Ce serait gentil. Mon papa voudrait vous dire quelque chose. Allô, Papa Pig? Cette ligne téléphonique ne doit être utilisée qu'en cas de... Au feu! Au feu! Ce n'est pas vrai! Le barbecue de Papa Pig est en flammes! Au feu! Au feu! Les mamans pompiers vont s'en occuper! Oui! Oui! Tenez-vous bien! Oui! Maman? Est-ce que je peux prendre des gâteaux pour mes amis, s'il te plaît? Mais bien sûr! Vas-y, sers-toi! Merci, maman! Suzy Sheep a réussi sa mission secrète! Bravo! Chut! Bravo! Personne ne t'a vu au moins, Suzy? Non. Enfin, juste une grande personne. Attention! Voulez-vous
Avez-vous un jus de fruits pour accompagner vos gâteaux? Quel gâteau? Ceux que tu as pris pour les offrir à tes amis. Oh, Suzy! Que se passe-t-il? On fait partie d'un club secret pour faire des choses en secret et Suzy est allée le répéter à tout le monde. Oh, puis-je faire partie de votre club secret? S'il vous plaît, ce serait pour moi un rêve qui deviendrait réalité. Attention, on n'entre pas dans notre club comme ça. Ah non, vous devez d'abord prononcer le mot de passe. Quel est-il? Ratatin, ratatouillin. Ratatin, ratatouillin? C'est bien ça. Bienvenue au club, madame. Et maintenant, que dois-je faire? Attention! Voilà Papa Pig. Allez-y, parlez à mon papa. Mais surtout, ne lui dites pas un mot à propos de notre club secret. Coucou les enfants. Ah, vous êtes là, maman Chip. Quoi de neuf? Club secret. Oh non! Oh, j'ai toujours voulu appartenir à un club secret. Puis-je devenir membre? Ce n'est pas possible, papa, parce que c'est interdit aux grandes personnes. Mais ma maman est une grande personne. D'accord, mais il faut que tu connaisses le mot de passe de notre club. C'est-à-dire? Pipa dadou didou dom. Pipa dadou didou dom. Bienvenue au club. Que dois-je faire maintenant? Attention. Voici Maman Pig. Tu dois suivre maman sans te faire remarquer. Papa Pig? Ah, coucou Maman Pig. Pourquoi te caches-tu dans ce buisson? Club secret. Oh! Voici Papy Dog. Ohé, Papy Pig, belle journée pour une croisière. En effet, ohé, Papy Dog. Je vais laisser mon bateau au chantier naval aujourd'hui. Il a besoin de quelques réparations. Accepteriez-vous d'emporter aussi le mien jusqu'au chantier naval, s'il vous plaît? Naturellement. Où se trouve votre bateau? Il est juste sous mes pieds. Oh, oh! Aurait-il coulé? Disons qu'il a pris un peu l'eau. À vrai dire, je suis surpris qu'il n'ait pas touché le fond beaucoup plus tôt. Quoi? Mon navire est en bien meilleur état que votre vieux tas de rouille. Papy Dog et Papy Pig sont les meilleurs amis du monde. Attrapez ceci, capitaine! D'accord, skipper! Le camion de Papy Dog a pu sortir de l'eau le bateau de Papy Pig. Waouh! Prochain arrêt, le chantier naval. C'est quoi un chantier naval? Il s'agit en quelque sorte d'un garage où l'on répare les bateaux endommagés. Voici le chantier naval de Papy Rabbit. Quelle surprise! Ohé, Moussaillon! Bonjour, 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 Papy Rabbit! Oh, mais qu'est-il donc arrivé à votre bateau, Papy Pig? Il a malheureusement heurté un poteau d'amarrage. On a entendu un crack et cela a fait un gros trou, juste là. Vous ne devriez jamais laisser un autre que vous gouverner votre navire. C'est vrai. Pourrez-vous le réparer? Bien sûr! Je vais d'abord mesurer l'ampleur des dégâts. Papy Rabbit mesure le trou dans la coque du bateau de Papy Pig. Bon, maintenant il faut que je trouve quelque chose pour le boucher. Vous devez être fier de savoir réparer les bateaux. Oh, il faut des années pour apprendre ce magnifique métier. Depuis combien de temps vous réparez les bateaux? Des années. Chloé, Chloé. Oh, Chloé. Bonjour, je vous présente mes meilleurs amis. Voici Simon Squirrel et Belinda Bear. Mais tu peux m'appeler Sim, c'est le diminutif de Simon. Et moi, Belle, c'est le diminutif de Belinda. Je m'appelle Peppa. On va t'appeler Pep. Oh, et lui, c'est mon frère George. On va t'appeler Jo. Oh. Tout à l'heure, tu avais oublié de nous dire que tes cousins étaient des bébés, Chloé. Attends, je ne suis pas un bébé. Pourtant, vous êtes petits tous les deux. Moi, je suis une grande fille. C'est George qui est petit. Et si on jouait tous ensemble, les amis? D'accord, faisons une partie de cache-cache. On n'a plus vraiment l'âge de s'amuser à des jeux de bébés. On est presque des grandes personnes. Et si on jouait au ni oui ni non alors? C'est quoi le ni oui ni non? Moi, je pose des questions et vous, vous devez y répondre. Je ne vois pas du tout en quoi c'est amusant. On n'a pas le droit de répondre par oui ni par non. C'est vraiment trop facile. Vous avez envie d'y jouer alors? Oui. Tu as dit oui. C'est pas juste, j'étais pas encore prêt.
Belle, est-ce que tu es prête, toi? Oui. J'ai encore gagné. Peppa est très forte au jeu du ni oui ni non. Est-ce que je peux poser les questions maintenant, Peppa? Mais bien sûr. J'espère que cela ne te gêne pas de répondre à mes questions, Peppa. Cela ne me gêne pas du tout. Est-ce que je vais réussir à te faire dire oui ou non? Je ne le pense pas. Oh, et puis j'abandonne. Comment tu fais pour gagner à chaque fois? C'est facile, il suffit d'éviter de répondre par oui ou par non. Je t'ai eu, tu viens de dire oui et non. C'était rigolo. On va jouer à autre chose maintenant. Vous avez déjà joué à sardine? En quoi cela consiste? Il y a un joueur qui se cache et tous les autres doivent le retrouver. Mais c'est exactement la même chose que le jeu de cache-cache. Madame Gazelle, regardez, Peppa s'est fait mal en tombant. Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa. Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie. Ensuite, elle colle un pansement dessus. Tu te sens mieux à présent? Oui, merci beaucoup. Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui. Il est encore en retard? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital. Oh. Alors nous allons lui rendre une petite visite. Voici l'hôpital. Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony. Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre. Oui, Madame Gazelle. Excusez-moi, Monsieur Boule, où se trouve le service où l'on soigne les enfants? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la troisième à gauche. Oh! Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur. Pedro doit sûrement dormir. Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir. Bonjour les amis. Bonjour Pedro. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro? En tout cas, tu n'as pas l'air malade. Je ne suis pas malade. Je me suis cassé la jambe, alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre. Wow. Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite. Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement. Waouh. Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez. Avec plaisir. Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro. Moi, j'ai dessiné un ballon de football. Et moi, une fleur. Et moi, Monsieur Patate. Et moi, un perroquet. Et moi, j'ai dessiné une flaque de boue. Waouh! Merci, merci à tous. Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro. D'accord. Je vais faire une petite fleur. Merci beaucoup. Voyons si vous avez tous revêtu votre tenue de sport. Pedro porte un costume de super-héros. Pedro, où est ta tenue de sport? À la maison. Je croyais que c'était carnaval aujourd'hui. Suivez-moi, les enfants. Voici la salle de sport où les mamans et les papas passent un bon moment en faisant de l'exercice physique. Est-ce que vous vous amusez bien? Oui, oui. On s'amuse beaucoup. Aujourd'hui, votre professeur de sport sera Papy Rabbit. Et où est-ce qu'il est? Bonjour les enfants, est-ce que vous êtes prêts à faire de l'exercice? Oui, Papy Rabbit. Est-ce qu'on est obligé de faire la même chose? Non, ça c'est réservé aux grands athlètes comme moi. Ce n'est pas pour les jeunes aventuriers comme vous. Mais nous, on n'est pas des aventuriers. Oui, mais avec moi, vous allez le devenir. Sauf que toi, tu ressembles davantage à un super-héros. C'est juste pour faire semblant. Et tu as bien raison, Pedro. D'abord, on va s'échauffer. Faites comme moi, courez sur place. Remuez les bras. Et maintenant, retirez-vous. Allez. Faites le pot de confiture. Et c'est bien. Et repos. Maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir partir. Partir où? Partir à l'aventure. Oh, imaginez que vous n'êtes pas dans une salle de sport, mais dans la jungle. Cela ne ressemble pas à la jungle. Oui, où sont les arbres? Il faut que vous les imaginiez. Les arbres, la pluie, le torrent rapide qui coule à vos pieds. Votre première aventure consiste à marcher sur ce banc pour franchir le torrent. Oh là là, c'est facile. Seulement, il fait nuit noire et il y a beaucoup de vent. Pourquoi? Ah, parce que je l'ai vécu personnellement.
Merci beaucoup. Alors, amusez-vous bien. La chasse aux œufs en chocolat de Papy Pig est ouverte. As-tu le temps de prendre une tasse de café, Papy Pig? Oh, oh, oui! Les enfants ne sont pas prêts de retrouver mes œufs en chocolat parce que je les ai très bien cachés. Oh, voilà! Peppa a trouvé un œuf dans un pot de fleurs. Oh, en voilà un autre! Rebecca Rabbit a trouvé un œuf qui était caché dans un buisson. Youpi! Celui-là est pour moi! Émilie Éléphant a trouvé un œuf qui était caché sur la branche d'un arbre. À mon avis, ça c'est une odeur de chocolat. Freddy Fox a un odorat très développé. Gagné! Freddy Fox a trouvé un œuf en chocolat dans une vasque pour les oiseaux. Papy! Papy! On a retrouvé les œufs en chocolat! On s'est drôlement bien amusés. Mais c'était un peu trop facile quand même. Je ne pense pas que les petits aient trouvé cela facile. Georges, Richard et Edmond n'ont pas retrouvé un seul œuf. Je me demande où sont cachés les autres œufs. Oh! Nos chocolats! Ah, Edmond, il me semble qu'il y a quelque chose derrière ton oreille. Chaque enfant a trouvé son œuf en chocolat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, Papy Pig? Vous les mangez, voyons. Bonjour, les enfants. Mamie, mamie, on a retrouvé tous les œufs en chocolat. Eh bien, où sont-ils? Je n'en vois aucun, moi. Ils sont dans notre ventre maintenant. Et autour de votre bouche. Papy Dog est fier de montrer sa dépanneuse. Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse. Maman Sheep expose le camion de pompiers. Voici le son que fait le camion de pompiers. Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage. Voici le son que fait mon hélicoptère. Hélicoptère, décollage, hélicoptère, décollage. Voulez-vous que je vous emmène faire un tour? Oui, s'il vous plaît. Très bien, montez à bord. Quel dommage, il n'y a plus de place pour moi. Tant pis, je vous regarderai d'ici. Papa Pig a le vertige. Youpi, on va voler dans le ciel. Oui, il peut monter à la verticale. Ou bien descendre à la verticale. Oui. Ah. Et il peut même faire des loopings. Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate. Oui, pauvre papa. Une glace, s'il vous plaît. Comme elle est bonne. Nous devrions nous poser maintenant. Appel d'urgence, demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage. J'arrive tout de suite. Vous avez de la chance. Nous avons une mission à remplir. Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur Boule. Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau? Avec mon énorme aimant. Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, Madame Rabbit? À vrai dire, je ne le sais pas encore. J'ai trouvé! Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement. Oh! À présent, je vais vous ramener chez vous. D'où peut venir ce vacarme? Serait-ce une alarme de voiture? Ou une sirène de pompier? Ah non! Il s'agit de bébé Alexandre. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Bonjour, cousine Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, tonton Pig. Bonjour. Bonjour, tata Pig. Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas, Peppa? Oui. Est-ce que vous comptez rester ici quelques jours? Non, ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée. Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé. Coucou, mon petit.
petit bébé Alexandre? Il ne sait pas encore parler, Peppa. S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut? Nous essayons de deviner. Maintenant, je devine qu'il a envie de manger. Peppa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre? Oui, s'il vous plaît. Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre. C'est ta cousine Peppa qui va te faire manger aujourd'hui, Alexandre. Ouvre la bouche, bébé. Oh, c'est bon, tu sais? Oh, il n'arrête pas de détourner la tête. Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre. Je vais te montrer. Attention, le gros avion va atterrir. Tu sais, Peppa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion. À toi de jouer, Peppa. Le gros avion va atterrir. Ouvre la bouche. Ou plutôt, ouvre la porte. Youpi! C'était un avion, Alexandre. Répète après moi. Avion! Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore. Il n'a toujours pas prononcé son premier mot. Peppa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé? Pas du tout. C'était « maman ». Je croyais qu'elle avait commencé par dire « papa ». Ah non! Zoé, Pedro et Rebecca se cachent derrière une clôture. Suzy et Émilie se cachent derrière un buisson. 9, 10, attention! Me voilà! Je sais où vous êtes! Peppa n'arrive à retrouver personne. Oh, zut alors, c'est trop difficile. Voilà Freddy Fox qui vient s'amuser. Bonjour Freddy. Bonjour Peppa, à quoi est-ce que vous jouez? On fait une partie de cache-cache, mais je n'ai encore retrouvé personne. Est-ce que tu veux que je les cherche à ta place? Tu peux toujours essayer Freddy, mais c'est trop difficile. Regarde-moi bien. Je vous ai retrouvé. Oh, bonjour Freddy. Sortez de là. Freddy Fox a retrouvé tout le monde. Comment est-ce que tu as fait Freddy? Je possède un très bon odorat Peppa. Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans? Si j'ai réussi à vous retrouver, c'est grâce à votre odeur. Mais je ne sens pas mauvais. J'ai pris un bon bain hier avant de dormir. Je sais, Suzy. Tu sens très, très bon, d'ailleurs. Oh. J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés. Alors, vas-y. Fais voir comment tu retrouves Suzy les yeux fermés. C'est facile. Vite, vite, cache-toi, Suzy. 1, 2, 3, 4, Suzy cherche une cachette. 6, 7, 8, 9, 10. Attention, Suzy, me voilà. Freddy recherche Suzy les yeux fermés. Il sent par où elle est passée. Autour de l'arbuste, derrière le petit buisson, avant de remonter sur la colline. Je t'ai retrouvée. Oh. Et tout cela grâce à mon museau. Oh oui, c'est un super nez. Oui, Pedro. Moi, j'ai choisi le bongo de forme plate. Cela s'appelle un boran. C'est irlandais. Tu tapes dessus avec la baguette comme ceci. Moi, j'ai choisi le tambourin. C'est très bien, Pedro. Tu peux aussi le secouer comme ceci. Oh! Moi, j'ai choisi le gros tambour. Cela s'appelle une grosse caisse. Miaou. Je ne sais pas comment le mien se nomme. Mais je sais comment on en joue. Cet instrument s'appelle un guiro. Il est constitué d'un racloir et il nous vient d'Amérique du Sud. Waouh! Comment il est arrivé jusqu'ici? Eh bien, je l'ai rapporté de vacances. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des maracas. Je les ai rapportés d'un magnifique séjour en Espagne. Mon instrument s'appelle un triangle. Si je le sais, c'est parce que mon papa en vend par boîte de 10. Merci, Freddy. Je tâcherai de m'en souvenir. Ce n'est pas la peine de partir en vacances pour en trouver. Merci. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des castagnettes, Émilie. Mon papa vend exactement les mêmes par boîte de 5. Merci, Freddy. Olé! C'est de cette façon que l'on joue des castagnettes.
Tiens, reprends-les, Émilie. Est-ce que je suis obligée de danser, Madame Gazelle? Non, contente-toi de les faire claquer l'une contre l'autre. Ah, je vois que Rebecca a pris les cymbales. Oui. Maintenant que chacun sait quel son émet son instrument, vous allez jouer tous ensemble. Attention! Vous êtes prêts? Partez! Stop! 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 Ce n'est pas de la musique que vous faites, c'est juste du bruit. Taper est à la portée de n'importe qui. Mais pour jouer de la musique, vous devez vous écouter les uns les autres et avoir le sens du rythme. Mais Madame Gazelle, je ne peux pas écouter les autres et jouer du bongo en même temps. Papa Pig, vous venez de perdre votre record du monde. Tout le monde souhaite que vous redeveniez champion. C'est très important. Vous croyez? Oui. Alors dans ce cas, je vais essayer. Dès demain. Ouais. Mais il va falloir que je m'entraîne à sauter dans des flaques de boue d'ici là. Allons, tout le monde sait comment sauter dans une flaque de boue, papa. Ah, mais tout le monde n'est pas champion, ma petite Peppa. Papa Pig est le maître en la matière. Papa, est-ce que tu vas t'entraîner à sauter avant la compétition? Non, Peppa, je dois fusionner avec la flaque de boue. Quoi? Pour sauter dans une flaque, je dois penser comme une flaque. Est-ce que tu as besoin de courir? Non. Alors tu as besoin de faire des pompes? Non, j'ai besoin de dormir et de rêver de flaque de boue. C'est le jour de la compétition de saut. Papa Pig a revêtu sa tenue de sauteur pour l'occasion. Pas moyen de retrouver ma paire de bottes dorées. Vu leur état, je les ai données à papy pour son jardinage. Mes chères bottes dorées porte-bonheur sont devenues de vulgaires bottes de jardinage. En voici des neuves. Mais ce ne sont pas les mêmes. Allô? Papy, te souviens-tu de ces vieilles bottes que je t'ai données? Oui. Papa en aurait besoin de toute urgence. Tu ne les as pas jetées à la poubelle? Non, seulement elles sont remplies de terre. Papy Pig fait pousser des tomates dans les bottes porte-bonheur de Papa Pig. Il nous les faut aujourd'hui pour le concours de saut. Entendu. Retrouvons-nous sur place. Tout le monde est venu assister au saut de Papa Pig dans la flaque de boue. Veuillez accueillir chaleureusement votre ami, le célèbre Monsieur Patate. Bonjour. George s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. George, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un O avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, George, c'est presque impossible à faire, comme bouger les oreilles, par exemple. George sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. George sait aussi siffler. Oh. Qu'y a-t-il, Peppa? Je suis triste parce que tout le monde sait siffler dans la famille, sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place? Mais bien sûr, Peppa. Mais... Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Sheep. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy? Mais... Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela? Allô? Peppa! Les gâteaux sont cuits! Super! On va se régaler! Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui! Oh, oh, oh. Tu ne veux pas y goûter, Peppa? Non, non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. C'est
C'est en volant qu'elle se déplace et qu'elle fait de l'exercice. Qui peut me dire de quoi d'autre Peggy a besoin pour rester en bonne santé? Elle a besoin de manger. Oui. Elle a besoin de boire. Tout à fait. Elle a besoin de respirer un peu. Bonne réponse. Elle a besoin de dormir. Exactement. Pardon, Madame Gazelle, je me suis pas réveillée. Oh, Pedro, on peut dire que tu aimes dormir. C'est vrai, Madame Gazelle. Dans cette boîte, j'ai un animal qui aime dormir lui aussi. Cela s'appelle une tortue. Oui, voici Titine la tortue. Bonjour, Titine. La tortue est un animal qui passe tout l'hiver à dormir. Pourquoi est-ce qu'elle porte une espèce de coquille sur le dos? Cela s'appelle une carapace. C'est sa maison où elle se cache quand elle a peur. Est-ce que l'un de vous aimerait la caresser? Oui, s'il vous plaît. N'aie pas peur, Titine. Est-ce que vous savez quel âge a Titine? Bien sûr. Titine a 33 ans. Oh, elle a l'âge de ma maman. Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans. 100 ans, c'est l'âge de mon grand-père. Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos. Doctoresse Hamster, regardez, je crois que Titine est en train de s'échapper. Elle ne risque pas d'aller bien loin. Oui, c'est à cause de sa lenteur. J'ai un autre animal à vous montrer, les enfants. Dinosaure! Oh, Georges! Mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche? Oh, c'est bien un dinosaure! Oh. Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure. Voici Lulu, le lézard. Bonjour, Lulu! Oh, vous avez vu ça? Il a des écailles comme les dragons. Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi? Pas du tout. Par contre, il possède une langue très, très longue. Wow. Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé. Oh, papa a disparu. Oh, regardez, un bonhomme de neige qui marche. Qu'est-ce que j'ai froid. C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle. Oh non, c'est seulement papa. Pauvre papa, réchauffons-le les enfants. Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent papa Pig en le frottant avec des serviettes. Je me sens beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa. Ah bon? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa. Ça, c'est incroyable! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige? Grâce à mon rabot de déneigement. Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route. Bonjour à tous! Bonjour, Peppa! Tous les amis de Peppa vont aussi à la plage. Prochain arrêt, le bord de mer. Youpi! Monsieur Boule et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige. Bonjour, Monsieur Boule. Mouh! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Nous y avons passé la nuit entière. Mais à présent, la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée. Tant mieux! Nous allons à la mer, justement. Voulez-vous venir avec nous? Non, merci, Mademoiselle Rabbit. Il nous reste encore d'autres routes à sabler. Au revoir, Monsieur Boule. Au revoir. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On va passer la journée au bord de la mer, château de sable baignade par les eaux. On va passer la journée au bord de la mer, plage rosette et glace à l'eau. Nous y sommes, tout le monde descend. La plage est entièrement recouverte de neige. Voyons si j'ai un livre sur les pendules. Ah, j'ai trouvé tout savoir sur l'horlogerie. Papy Pig a réparé le coucou. Youpi! Maman Pig est venue chercher Peppa et Georges. C'est bien. Qu'est-ce que c'est? C'est mon ancien ordinateur. Je ne peux pas réparer ce genre de choses. Oh, il n'est pas en panne, mais comme j'en ai acheté un neuf, j'ai pensé vous donner celui-ci. Et je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir besoin.
Oh, un ordinateur. À quoi sert-il? Eh bien, on peut taper des lettres, par exemple. Attends, je vais te montrer. A, B, C, D. Ainsi que des chiffres. 1, 2, 3. J'ai peur que nous l'endommagions en appuyant sur le mauvais bouton. Rassure-toi, cela ne risque pas d'arriver. Il faut juste éviter de lui donner à manger du lait, des gâteaux ou de la confiture. Mais vous allez voir ce que je préfère. Cela s'appelle Bouboule la poule. À chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, elle pond un œuf. Je suis super forte à ce jeu. Mais c'est Georges le meilleur. Finalement, nous devrions peut-être garder l'ordinateur, n'est-ce pas, Mamie Pig? Au revoir! Au revoir! Et si nous allions nous mettre au travail sur l'ordinateur dès à présent? D'accord. Allons taper des lettres et des chiffres comme Peppa nous a montré. Regardez un peu, voilà ce que j'appelle un mûrier. C'est vrai, Papa Pig, il est là depuis que je suis toute petite. Ce n'est qu'un gros tas de ronces. D'ailleurs, j'aurais dû l'arracher depuis longtemps. Ah bon? Et pourquoi est-ce que tu veux l'arracher, Papy? Parce que je n'aime pas sa manière de me regarder. Ne sois pas ridicule, tu vois bien qu'il ne te veut aucun mal. En plus, il donne chaque année un tas de fruits appétissants. George a aperçu une grosse grappe de mûres qui lui fait drôlement envie. Attention, Georges, sinon tu risques de rester accroché. J'ai une perche spéciale pour attraper les mûres qui sont difficiles à atteindre. Tu es super malin, toi, Papy. Mais les meilleures mûres se trouvent toujours tout en haut. C'est pourquoi j'ai apporté une échelle. Ne te penche pas trop en avant, Maman Pig. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude de cueillir les mûres depuis que je suis toute petite. Sans doute, mais tu n'es plus une enfant à présent. Je sais parfaitement ce que je fais. Oh non! Maman Pig est tombée dans le mûrier. Maman, est-ce que tu peux sortir de là? Non, je suis coincée. Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la Belle au bois dormant? Comment? Il était une fois une princesse qui s'appelait la Belle au bois dormant. Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces et elle y resta pendant 100 ans. C'est une bien belle histoire, Peppa. Voici Suzy Sheep. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Ma maman est coincée à l'intérieur du mûrier et elle va rester là pendant 100 ans. Oh, c'est comme la Belle au bois dormant. Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser. Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées. Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées. L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là? Il ne faut pas t'inquiéter, maman, parce que dans 100 ans, un prince charmant viendra à ton secours. Moi, je ferai la théière. Et nous, on va s'occuper des tasses. Voilà, Monsieur Chimpanzé va pouvoir boire son thé. Oh, cette théière est beaucoup trop molle. Les vrais services à thé ne sont pas mous. Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie. Ouh. Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet. D'accord, venez avec moi. C'est dans cette pièce que Madame Zebra fait de la poterie. Nous allons faire un beau service à thé. Qu'est-ce que c'est? De l'argile. Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre. Mais elle est toute molle. On dirait de la pâte à modeler. C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler. Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle. Oh! Maman Zebra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie. Et voilà, une tasse de fête. Waouh! Cela a l'air drôlement facile à faire. Aimerais-tu essayer? Oui, s'il vous plaît. C'est bizarre! C'est tout collant! Oh, qu'est-ce qui a pu se passer? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile. Je vais vous apprendre une technique plus facile. Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de ver de terre, comme ceci. Oh,
plutôt en verre d'argile. Je suis un petit verre d'argile, je suis un petit verre d'argile, fin et agile, qui rampe et se faufile, je suis un petit verre d'argile. Ensuite, on l'enroule comme cela. Ça fait comme des bosses. Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main et je n'ai plus qu'à ajouter une anse. La tasse de thé est terminée. En comptant celle-là, on a deux tasses. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là? Depuis mardi. Oh. Oh, j'ai des tas d'histoires à vous raconter, si le cœur vous en dit. Non, merci. Oui, s'il vous plaît. Alors voilà, il y a la mer et le ciel et le... Et je me suis mis au banjo. Vous voulez que je chante? Non, merci. Oui, s'il vous plaît. Chaque fois que je me lève, la mer est là et le ciel aussi. La mer, le ciel, la mer, le ciel. Voici du fromage. Oh, depuis le temps que j'en voulais. Et un livre qui vient de paraître. Comment être un bon gardien de phare? Cela peut toujours servir. Oh, et pourquoi est-ce que votre maison s'appelle un phare? Suivez-moi, je vais vous montrer. L'escalier monte en colimaçon jusqu'en haut du phare. L'escalier tourne, tourne et tourne. Cela s'appelle un phare parce qu'il possède un très puissant système d'éclairage à son sommet. Il brille pendant la nuit, ce qui permet aux marins de se repérer. Et quand il y a du brouillard, j'utilise cette corne de brume. Brouillard! Vous criez fort! Il n'y en a pas aujourd'hui, juste la mer et le ciel. L'histoire que je voudrais vous raconter... Non merci, nous devons partir. On a prévu d'aller sur l'île aux pirates aujourd'hui. Au revoir, Fabien Ravis. Profitez bien de la mer et du ciel, les enfants. Promis. Le bateau de Papy Dog accoste sur l'île aux pirates. Regardez, notre château de sable est toujours debout. Faisons une partie de cache-cache. D'accord. 1, 2... Il n'y a pas beaucoup de cachettes sur l'île aux pirates. 5. Attention, les enfants, ne bougez plus. J'en ai trouvé 2. Oh. Et maintenant, cherchons Georges. Papy Dog le cherche partout, mais il ne le trouve nulle part. J'abandonne les recherches, où peut-il être? Georges s'était caché derrière Papy Dog. Sacré petit malin. Et vous, Maman Rabbit, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas? Mais si je travaille, Suzy. Qui s'occupe de ces deux petits lapins, d'après toi? C'est toi, maman. Et vous pouvez m'aider, les enfants, en rangeant vos jouets avant que quelqu'un ne tombe en marchant dessus. Il doit s'agir de ma sœur. Bonjour. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Ah, tata. Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui. Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus. Passe une bonne journée, grande sœur. Toi aussi, petite sœur. Oups. Oh. Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard. Oh, ma pauvre cheville. Je peux toujours aller travailler à cloche-pied. Il n'en est pas question. Tu vas rester ici pour te soigner. Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible. Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout. Par quoi dois-je commencer? Par le supermarché. Entendu. Rebecca, occupe-toi de ta tante. D'accord, maman. Maman Rabbit est arrivée au supermarché. Ah, enfin vous voilà, Mademoiselle Rabbit. Elle s'est foulée la cheville, c'est moi qui vais la remplacer. Vous n'êtes pas Mademoiselle Rabbit? Non, je suis sa grande sœur, Maman Rabbit. C'est là que je dois m'asseoir? Oui. Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant? Non. Combien coûte ceci? Oh, je l'ignore. J'ai un bon de réduction. Acceptez-vous les chèques cadeaux? Puis-je régler avec ma carte bancaire? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière. N'ayez pas peur, mademoiselle. Je ne suis pas une vraie infirmière. S'il vous plaît, tirez la langue en faisant ah. Ah. Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est Maman Rabbit. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée. Alors qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus? Ho, ho, ho. Bonjour, les petits enfants. Bonjour, Père Noël. Avez-vous tous été bien sages? Oui, oui. Rangez-vous votre chambre quand elle est en désordre. Oui, oui, oui.
Bien sûr. Approchez-vous et dites-moi, quel cadeau vous aimeriez pour Noël? Un ballon de football, s'il vous plaît. Je voudrais un xylophone. Un jeu de puce. Un coffret de magie, s'il vous plaît. Du tire-course. Vroom. Une balle en caoutchouc. Boum, boum. Un train, s'il vous plaît. Un train électrique. Non, pas un train électrique. Moi, ce que je voudrais, c'est un vrai train, Père Noël. Un train que je pourrais conduire et qui pourrait prendre de vrais passagers. Oh, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Je peux ranger mon cahier à présent. On ne vous a pas encore dit ce qu'on voulait, Père Noël. Je vous prie de m'excuser. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Peppa Pig. On s'est déjà vu, souvenez-vous? Oh, oui, je suis ravie de te revoir, Peppa. Alors, que souhaiterais-tu pour Noël? Eh bien, moi, je voudrais une poupée qui parle et qui marche et qui ferme les yeux quand on la met dans son lit, s'il vous plaît, Père Noël. Moi aussi, s'il vous plaît, Père Noël. Très bien, c'est noté. Vous savez où on habite pour nous apporter tous nos cadeaux? Oh oui. Quel âge avez-vous, Père Noël? Plusieurs centaines d'années, mon petit chou. Qu'est-ce que je t'avais dit, Peppa? À très bientôt, Père Noël. Et n'oubliez pas de me laisser un gâteau près de la cheminée. Oui, on le sait. Et une boisson aussi. On mettra aussi une carotte pour les reines. Oh, oh, oh. Peppa et sa famille viennent de quitter la fête foraine de Noël. On a emporté nos valises avec nous. Parce que nous allons passer les fêtes de Noël chez Papy et Mamie Pig. Mais alors, le Père Noël ne va plus savoir où on est. Rassure-toi, Peppa, il n'y a pas de secret pour le Père Noël. Maman! Papa! C'est Noël! Quoi? Il est encore trop tôt, Peppa. Allez plutôt souhaiter un joyeux Noël à Mamie et Papy Pig. Panique! Tout le monde sur le pont! Aujourd'hui, c'est Noël! Il est seulement 3 heures du matin! Mais le Père Noël est déjà passé! Peut-être qu'il est encore dans la maison! Non, le Père Noël n'est plus là! Regardez, l'assiette et le verre sont vides et la carotte a disparu! Il ne reste que quelques miettes! En effet, le Père Noël adore les gâteaux aux fruits secs! Et il y a des gros cadeaux au pied du sapin. Je lui ai commandé une poupée. Est-ce qu'on peut les déballer tout de suite? Un peu de patience, ma chérie. Nous les déballerons après le repas de Noël. Bon, d'accord. Toute la famille est réunie autour de la table pour le repas de Noël. Ouvrons les pochettes surprises. Il y avait une couronne en papier à l'intérieur. Et un serpentin sifflet. Et une devinette. Qu'est-ce qui a des pédales et qui vole? Je n'en sais rien du tout. Un vélicoptère. Ce gâteau de Noël est vraiment délicieux. Peppa et Georges m'ont aidé à le préparer. Oui, maman, et c'est nous qui avons fait la pâte. Avez-vous pensé à faire un vœu? Oui, je fais le vœu. Il ne faut pas le dire. Allons déballer les cadeaux à présent. Youpi! Alors, celui-ci est pour Georges. C'est un circuit pour voitures de course. Cela m'a l'air difficile à monter. J'ai presque terminé. Cette pièce doit aller ici et la dernière, là. Il ne reste plus qu'à placer les voitures. Faisons la course. À vos marques, prêts, partez. Papa et Papy aiment jouer au circuit automobile. C'est le cadeau de Georges, n'est-ce pas? Je crois que la boîte suffit à son bonheur. Vroom, vroom, vroom. Commencez par plier la feuille en deux. Maintenant, pliez les coins du haut comme ceci. Ensuite, pliez chaque côté de façon à former une pointe. Et enfin, rabattez le côté droit sur le côté gauche. Et l'avion est terminé! Et maintenant, allons voir s'il vole. Et un, et deux, et trois! Oh! L'avion de Maman Pig s'est posé sur un arbre. L'avion de Peppa a atterri dans un pot de fleurs. À ton tour, Georges. Oui. L'avion de Georges effectue un looping avant de finir dans la mare aux canards. On va en faire un autre, mais beaucoup plus grand. Dans ce cas, il nous faut une très grande feuille de papier. On va prendre cette grande feuille de papier bleu.
Peppa et George ont fabriqué un grand avion bleu. Papi! Coucou, c'est déjà moi. Tu devrais être à ton travail. En effet, mais je suis revenue car j'ai oublié des papiers importants. Papa, on s'amuse à fabriquer des avions. Regarde un peu celui-là comme il est grand. Wow, il est magnifique. Il vous faut quelqu'un de grand et de fort pour le lancer. Et un, et deux, et trois. Le grand avion bleu vole très haut et très loin. Il ne semble pas vouloir s'arrêter. Au revoir, grand avion bleu. Oh, oh, au revoir. Maintenant, il faut que j'aille retrouver ces documents. Personne n'aurait vu des feuilles de papier par hasard. Je pense que tu devrais venir avec moi. S'agit-il d'un des documents que tu cherches? Oui, absolument. Oh, c'est pour toi, Peppa. C'est Emily Éléphant. Allô? Allô, Peppa? Tu veux venir à l'anniversaire de mon petit frère Edmond? C'est moi qui t'invite. Oh oui, s'il te plaît. C'est parce que ma maman a besoin d'aide pour s'occuper des tout-petits. Ah, d'accord. Compte sur moi. Super. Dani et Suzy vont venir nous aider eux aussi. Oh, chouette. Tout le monde arrive pour le goûter d'anniversaire d'Edmond. Oh, et voici mes assistants. Bonjour, Madame Éléphant. Maintenant, la fête peut commencer. Avez-vous envie de jouer au statut musical? Oui. Voici la règle du jeu. Dansez quand vous entendez la musique. Et dès que la musique s'arrête, restez immobile comme une statue. Attention, vous êtes prêts? C'est à vous. Tête, épaules, genoux, pieds. Allez, maintenant, il faut que vous dansiez. Épaules, genoux, pieds. Zouzou, tu continues à cligner des yeux. Tu es éliminée. Ah, et œil, oreille, et bou... Tu as bougé, Georges. Tu es éliminée. Ah, Edmond et Richard sont aussi éliminés. Ouais. Alors, c'est Zaza qui est la grande gagnante. Youpi. Tu l'as mérité, ta médaille. C'est du plastique véritable en or massif. Maman, le jeu des statues musicales est terminé. Formidable. À présent, vous allez jouer à passer la surprise. Ouais. Quand vous entendez la musique, alors passez la surprise à votre voisin. Et dès que la musique s'arrête, enlevez le papier cadeau. Attention, vous êtes prêts? C'est à vous. Georges, passe la surprise à ton voisin. Edmond a une médaille. Waouh! La pluie a provoqué une inondation. Maintenant, notre maison ressemble à une île déserte. Flaque de boue, ne bougez pas, j'arrive. Oui! Oh! Comment toute cette eau a-t-elle pu arriver ici? Et comment allons-nous faire nos courses? Papa devra aller jusqu'au supermarché à la nage. Papy Pig arrive en bateau. Ohé! Ohé! C'est le temps idéal pour se promener en bateau. Oui. Nous allons au supermarché. Avez-vous besoin de quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous acheter des tomates et un paquet de spaghettis? Tomates et paquet de spaghettis? Polly Parrotte répète tout ce que les autres disent. Polly sera notre pense-bête. C'est qui le malin perroquet? Quoi? C'est qui le malin perroquet? On peut venir avec vous, s'il vous plaît? Tout le monde à bord! Regardez! C'est la maison de Suzy Sheep! Nous allons au supermarché. Voulez-vous que l'on vous fasse vos courses? Maman! Maman, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oui, quelques provisions pour ce soir. Du chocolat, s'il vous plaît. Quoi? Chocolat? Bonjour, Danny Dog. Bonjour, Peppa. T'as vu, j'aide mon papy aujourd'hui. Nous portons secours aux victimes de l'inondation. C'est le temps idéal pour ce genre de choses. On va faire des courses. Est-ce que vous voulez quelque chose? Achetez-moi le journal, s'il vous plaît. Et une bande dessinée, s'il vous plaît. Journal? Bande dessinée?
Bonjour, Zoé. Comme tu es jolie. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup, Suzy. C'est parce que j'ai mis ma nouvelle robe. Qu'est-ce qu'il y a, Peppa? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Oui, pourquoi est-ce que tu ne dis rien, Peppa? Ah, ce jeu est vraiment stupide. Vous jouez à un jeu? Lequel? Suzy dit que je suis un moulin à paroles et que je suis incapable de me taire. Tu viens de montrer que Suzy n'avait pas tout à fait tort, Peppa. Très bien, puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus jamais à partir de maintenant. Bonjour les filles. Bonjour Dani. Bonjour Dani. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Peppa, aujourd'hui? Elle a décidé de ne plus parler. Ah, qui est-ce qui veut du raisin? Moi, s'il te plaît. Moi, s'il te plaît. Tu n'as pas le droit de remuer la tête, sinon c'est de la triche. Ni de cligner des yeux, Peppa. Bonjour les amis. Bonjour Pedro. Pourquoi Peppa ne me dit pas bonjour? Elle a décidé de ne plus parler, plus jamais jamais. Et pourquoi? Parce que c'est un vrai moulin à paroles. Non, je ne suis pas un moulin à paroles. Est-ce que je me moque de la manière dont tu marches? Ah, regardez-moi, je suis Suzy Sheep. Qu'est-ce que je te disais? Et puis, tu fais tout le temps bla 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 bou babou. Mais je ne suis pas du tout comme ça. Si, ça te ressemble un petit peu, Suzy. Tu es au moins aussi bavarde que moi. Je suis capable de garder le silence. Ce n'est pas si facile que ça. Il ne faut pas non plus exagérer, Peppa. Montre-nous comment tu gardes le silence. On n'a qu'à tous se taire ensemble. Venez, on va faire ça devant ma maman. Maman, on va tous essayer de rester silencieux. Totalement silencieux. On sera tellement silencieux qu'on pourra entendre le moindre objet tomber par terre. Aussi silencieux qu'une souris. Mieux vaut posséder trois horloges qu'une seule. Papa, est-ce que tu auras une sonnette de vélo, s'il te plaît? Oui, et combien en veux-tu, mon grand? Je n'en ai besoin que d'une seule. Elle n'existe qu'en boîte de deux. À présent, le vélo de Freddy est équipé de deux sonnettes. C'est chouette! Merci, papa. Mon papa m'a donné deux sonnettes. Waouh! Il y a quoi d'autre dans le camion de ton papa, Freddy? Il y a absolument tout ce que tu veux. Oh! À quoi est-ce qu'on pourrait jouer maintenant? Comme on est à vélo, si on faisait une course. D'accord, et le vainqueur gagnera une belle coupe toute dorée. Mais où est-ce qu'on va trouver une coupe toute dorée? Oui, où est-ce qu'on va pouvoir trouver une coupe toute dorée? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour en trouver une. L'avantage d'avoir sa propre bétonneuse, c'est qu'on a plus... Papa, tu aurais une belle coupe toute dorée, s'il te plaît? On voudrait faire une course cycliste. S'agit-il d'une course importante, Freddy? Oh oui, très importante même. Celle-ci te convient? Génial, merci papa. Waouh, elle est en or. Tout à fait, c'est du plastique en or massif. Oh. Voici la coupe pour le vainqueur. C'est du plastique en or massif en plus. Waouh. Tu avais raison, Freddy. Il y a vraiment tout dans le camion de ton papa. Oui. Mais... Le premier arrivé à la maison de Peppa a gagné. Attention, vous êtes prêts? Partez! Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'appareil disparaisse. Oh. Oh. Et en appuyant sur l'autre bouton, vous pouvez écouter de la musique. Tous les enfants sont arrivés en même temps. Alors tout le monde a gagné. Mais on n'a qu'une coupe, monsieur Renard. En fouillant dans mon camion, j'en ai trouvé une pour chaque vainqueur. Super. Il n'en est pas question. George est encore trop jeune pour monter tout seul. Bon, d'accord. Mais alors, faites vite. Ne vous en faites pas pour ça. Seulement, George a changé d'avis. Pauvre chou, viens voir maman. Moi aussi, je devrais descendre. Et c'est parti! Amuse-toi bien, Papa Pig. Oh, oh, le malaise s'est arrêté. Je suis content que ce soit terminé. Oh! C'est vraiment formidable! Oh! Le monde descend! C'était très rigolo. Tu n'es pas d'accord, Papa? Si, très rigolo.
Oh maman, c'est quoi ça? Va de l'autre côté, passe la tête à travers le trou. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Suzy, tu ressembles à une tomate! Regardez, et moi je ressemble à une carotte! Oh oui! Et moi à une citrouille! Bienvenue dans le jardin des dinosaures! Oh! Dites bonjour à mes amis les dinosaures, les enfants! Et surtout, n'ayez pas peur, ce ne sont pas des vrais! Mais c'est exactement à cela qu'ils ressemblaient quand ils vivaient ensemble sur Terre! Non, pas du tout! Quoi? Le Triceratops vivait au Crétacé alors que le Stégosaure, lui, est apparu durant le Jurassique! Ils n'auraient jamais pu marcher l'un derrière l'autre! Tu en sais des choses! Normal, je suis très intelligent! Quoi qu'il en soit, qui veut faire un tour de dinosaures? Moi! Monsieur Patate, comment ça se fait qu'il y ait des dinosaures à Patata Park? Parce que ce sont des animaux qui mangent des pommes de terre? Non! Peu importe, les enfants adorent les dinosaures! 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 Camion! Camion! Voici Monsieur Boule et ses collègues. C'est Monsieur Boule qui va s'occuper du chantier. Je croyais que c'était toi qui la construisais. J'ai déjà fait le plus difficile. Monsieur Boule n'a plus qu'à suivre mes instructions. Bonjour, Monsieur Pig. De quoi s'agit-il? D'un parking? D'une piscine? D'une station spatiale? Non, d'une maison. Pouvez-vous la faire exactement comme celle-là, s'il vous plaît? Mais en plus grande! Monsieur Pig veut une maison. Est-ce que nous devons la construire en paille? Ou en brindille? Ou bien en brique, Monsieur Pig? En brique, s'il vous plaît. C'est un excellent choix! N'oubliez pas la balançoire! Rassure-toi, Peppa, c'est promis! Besoin d'un petit coup de main? George veut être utile, lui aussi. Si tu veux, George, vas-y, mets un peu de ciment juste ici, s'il te plaît. C'est rigolo, ça fait penser à de la boue. Ah, le ciment est une espèce de boue très particulière qui permet d'assembler les briques. Peppa, voudrais-tu poser la première brique? Oui, avec plaisir. Bravo, je m'occupe du reste. Les briques doivent être posées parfaitement alignées, est-ce que vous voyez? Et une rangée après l'autre. Ça va prendre du temps, beaucoup de temps même. Eh oui. Est-ce que vous allez finir aujourd'hui? Oh non, on ne peut pas construire une maison en une seule journée. Elle sera terminée demain matin. Bien, alors à demain, Monsieur Boule. Au revoir. Au revoir. George a mis de la boue par terre. Et moi, j'ai posé une brique dessus. Vroom! Vous n'avez pas dû vous ennuyer. Maintenant, fermez les yeux et faites de beaux rêves. C'est une occasion unique qui permet de célébrer l'ensemble des pays du monde. Génial! Peppa est habillée en française. Je représente la France. George en russe. Pedro en américain. Zoé en japonaise. Konnichiwa. Suzy en hollandaise. Allô. Hollandais, ça veut dire bonjour. Madame Gazelle, pendant la fête, ils font quoi tous les pays du monde? Ils chantent la chanson de l'harmonie tous en chœur. Super! Moi, j'aime bien chanter. Oui, moi aussi. Tout le monde se souvient des paroles, au moins. Oui, Madame Gazelle. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie. Formidable! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas. Il est l'heure de la récréation. Amusez-vous bien, les enfants. Et surtout, ne vous chamaillez pas. Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation. Le Royaume-Uni est sur le toboggan. Oui! La France et la Suisse sont sur la balançoire. L'Allemagne joue à la marelle. 1, 2, 3. Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable. Je construis un grand château de sable. Hi-ha!
voici les Pays-Bas et le Japon. Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Pourquoi? Parce que votre tour est terminé, Pedro. Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan maintenant. Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer. Ah. Je n'aime pas du tout les jours de pluie. Moi, j'adore parce que ça fait des flaques de boue dans lesquelles on peut sauter. Est-ce qu'on peut aller sauter dans les flaques de boue? Peppa, nous allons devoir attendre que la pluie s'arrête. Et elle va s'arrêter quand? Écoutons les prévisions météo. Voici votre bulletin météo. Il va pleuvoir toute la journée. Oh! J'ai une idée. On peut faire un jeu spécial jour de pluie. Qu'est-ce que c'est un jeu spécial jour de pluie? Je vais vous montrer. Si je prends ce canard en plastique et que je le cache quelque part où on peut le voir, pensez-vous pouvoir le retrouver? Enfin, papa! Si on peut voir le canard en plastique, ça veut dire qu'il n'est pas caché. Regardez attentivement. Je vais poser le canard ici. Alors, dites-moi où il se trouve. Juste là. Exactement. C'est beaucoup trop facile, papa. Mais ce ne sera pas toujours aussi facile, Peppa. Alors, qui veut commencer? Eh bien, comme c'est un jeu très facile, c'est Georges qui va commencer. D'accord. Restez où vous êtes. Papa Pig va cacher le canard et Georges doit le retrouver. Le canard est quelque part dans votre chambre. Georges cherche le canard en plastique. Mais il n'est pas facile à trouver. Oh. Georges, tu peux le trouver, voyons. Regarde attentivement autour de toi. Georges ouvre grand les yeux pour tenter de retrouver le canard. Ah, c'est chaud. Ah, c'est froid. Tu brûles. Georges a trouvé le canard en plastique. Bravo! Moi, je l'ai vu tout de suite, le canard. Ce jeu est vraiment trop facile. Très bien. À Peppa maintenant. Et c'est moi qui vais le cacher cette fois. Maman Pig va cacher le canard en plastique et Peppa doit le retrouver. Aujourd'hui, nous allons recevoir la visite d'une personne qui va vous apprendre à jouer au basket. Oh! Bonjour. Papa, ce n'est pas encore l'heure de venir nous chercher. Il y a un professeur de basket qui doit venir nous voir. C'est moi. Je suis l'entraîneur. Un professeur de basket s'appelle un entraîneur. Oh, tu es super doué, papa. Peppa, appelle-moi entraîneur. D'accord, papa entraîneur. Est-ce que vous savez comment on joue au basket? Non. C'est très amusant. Vous devez courir, faire rebondir la balle et la lancer dans le panier. C'est super facile comme jeu. Oh. Ce n'est pas aussi facile que cela en a l'air. Pour jouer au basket, il faut s'entraîner beaucoup et se maintenir en forme. Est-ce que vous êtes en forme, papa entraîneur? Oui, je suis en super forme. Mais papa entraîneur, tu as un très gros bedon. Il n'y a que du muscle dans ce gros bedon. D'abord, je vais vous montrer comment vous déplacer avec la balle d'ici... jusque-là. Moi, je sais comment on fait. Non, non, mon petit Danny, on n'a pas le droit de se servir de ses pieds. Ça, c'est du football. Danny Dog adore le football. Quand on joue au basket, on doit faire rebondir la balle avec les mains, comme ceci. Qui est-ce qui a envie d'essayer? Moi. Suzy Sheep fait rebondir la balle avec beaucoup d'attention. C'est très très bien, Suzy. Que tout le monde fasse la même chose. Tous les enfants apprennent à faire rebondir le ballon. Ouais. Maintenant, je vais vous apprendre à contrer. Qu'est-ce que ça veut dire, contrer? Ça veut dire essayer de prendre le ballon au joueur de l'équipe adverse, comme ceci. Essaie de me prendre le ballon, Georges. Georges est très doué pour contrer. Tu as bien emporté tout ce qu'il y avait sur la liste? Je n'ai rien oublié. Coussins, bougies parfumées, musique relaxante et assez de nourriture pour 3 jours. Pas de panique! Il y a quelqu'un, on va avoir un petit lapin! Bonjour ma sœur, que viens-tu faire ici? Je suis sur le point d'accoucher, tu ne t'en souviens plus? Ah oui! Alors tu as bien fait de venir.
Puis-je entrer moi aussi? Mouh! Commencez par aller garer votre voiture. Rassurez-vous, un accouchement, cela prend toujours du temps. Croyez-en mon expérience. Libérez le passage! Ma sœur va accoucher d'une minute à l'autre! Une théière ainsi qu'un sac rempli de serviettes? Avec tout cela, nous devrions pouvoir tenir plusieurs jours. Oh, où vais-je ranger toutes ces affaires? Remets-les dans la voiture. On n'en a pas besoin maintenant. Quoi? Papa, c'est dommage, tu as raté le meilleur. Pas possible. C'est un garçon ou une fille? Les deux. Nous avons des adorables jumeaux. Wow! C'est le lendemain. Et Maman Rabbit est sortie de l'hôpital. Bonjour. Est-ce qu'on peut voir les jumeaux, s'il vous plaît? Bien sûr, Peppa. Baba bidou, baba. Ce sont des garçons ou ce sont des filles? Les deux, Suzy. Un garçon et une fille. On les a appelés Rosie et Robbie. Finalement, vous avez retenu les deux prénoms qu'on avait choisis? Oui. Voici Rosie Rabbit et voici Robbie Rabbit. Ce sont les deux prénoms les plus jolis du monde. Et c'est nous qui les avons trouvés.